Parlons encore d'efforts au travail, mais cette fois avec ces récompenses pour cette trentaine d'agents du palais présidentiel du Gabon qui viennent donc d'être décorés et viennent également de recevoir des diplômes du travail de main du secrétaire général de la présidence de la République et du ministre du Travail. Les détails avec Eldaneli Koumba, Bartel Bouas et Igor Mvouza. Des pouvoirs qui me sont conférés, je vous décerne la médaille d'or d'honneur de la présidence de la République. Patience, loyauté et performance, voilà entre autres valeurs qui ont permis à ces agents d'être gratifiés de médailles d'or, d'argent et de bronze. Cumulant 30 ans de service pour les uns, 10 à 20 ans pour les autres, ce personnel a eu ce qu'il a mérité. La reconnaissance de la nation pour le travail accompli au sein des palais présidentiels du pays. Tous ici présents peuvent être conscients de ce que représente aujourd'hui le mérite de la performance au travail, et tout particulièrement dans les services publics, qui plus est dans la première administration de notre pays. Cette administration que le président de la République exige qu'elle soit la référence, et il nous le rappelle à chaque fois qu'il en a l'occasion. Le ministre du Travail a félicité tous ceux qui ont contribué à l'aboutissement de ces mérites, tout en rappelant le cadre dans lequel s'effectuent ces distinctions honorifiques. Elles constituent donc un véritable hommage à votre apport envers notre société tout entière, car les tâches que vous avez accomplies tout au long de votre carrière ont en effet grandement contribué à la richesse nationale et au développement de notre pays tout entier. Avec fierté, les récipiendaires ont remercié la hiérarchie pour toutes les opportunités offertes. Nous retiendrons la politique initiée par la hiérarchie en vue de l'amélioration de nos conditions de travail, notamment par le renforcement des capacités professionnelles, mise en formation continue et formation intramuros. Cette cérémonie qui a vu la participation de plusieurs personnalités de la présidence de la République et autres administrations est certes un temps de gratification pour les uns, mais des moments qui devraient interpeller chaque administré à accomplir son travail avec assiduité et abnégation.